Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Excusez la voix nasillarde, j'ai chopé un rhume. Ben oui, par le temps les temps changeants, c'est comme difficile de ne pas y échapper. Ben j'en ai attrapé un. Bon. Hier, visite de mon ami Robert Hébert, le philosophe. Nous avons échangé sur la condition québécoise, qui est une condition qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît d'ailleurs. Et nous affirmions que nos amis français ne nous comprennent pas. Ils appliquent une grille intellectuelle qui est la leur, forcément, et ils plaquent ça sur la réalité québécoise. Au bout d'un certain temps, ils s'aperçoivent que cette grille-là, eh bien, ne colle pas tout à fait. Alors, deux options s'offrent à eux. Revoir leur conception, remettre les compteurs à zéro, regarder d'un œil neuf la condition québécoise ou s'en retourner en France. Parce que ce pays du Québec est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, on se donnait pour exemple nos ancêtres, bretons et normands pour la plupart, qui, sans transition, sont passés du Moyen-Âge en Amérique. Le Moyen-Âge transplanté dans les forêts boréales. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé tout de suite immédiatement? Des peuples amérindiens, qui eux aussi, quand ont vu apparaître ces drôles de zigs barbus, alors ça les a assez horrifiés, les barbes que nos ancêtres portaient, ont vu leur vie absolument transformée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un huis clos forestier qui a duré 2 siècles. Alors, nous avons appris d'eux, ils ont appris de nous, on le voit avec les verreries, avec les objets artisanaux qui sont inspirés des arts traditionnels qui avaient cours en France à ce moment-là. On le voit également dans tout l'imaginaire artistique des Canadiens français jusqu'aux années 50, où le coureur des bois côtoyait la figure de l'Indien, et c'était pas eux et nous, c'était une espèce de nous amalgamé. Dans ma propre famille, il y a 9 coureurs des bois. Alors, vous imaginez un peu ce que ça veut dire être coureur des bois quand vous venez d'un continent qui ne cesse de s'étriller, qui ne cesse de s'étriper pour créer un grand archipel économique, on le voit encore. D'ailleurs, ça, c'est une chose que les Français ne comprennent pas non plus, que beaucoup de Français ne comprennent pas. C'est ce désir-là d'autonomie. Eux, présentement, ils tentent de créer un grand archipel économique et ils se définissent de plus en plus comme des Européens. Alors, ils voient notre désir d'indépendance comme une espèce d'atavisme, sans comprendre que ce désir-là d'indépendance, au fond, nous l'avons peut-être toujours été. Et c'est précisément pour le conserver que nous nous rebiffons. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire, j'essaie d'être plus explicite. Essayez d'imaginer un peu à quoi pouvait ressembler la vie en Nouvelle-France. Une vie agréable, une vie où tout était en ordre, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Des contacts harmonieux avec les peuples indiens. Et les peuples indiens eux-mêmes, nous sommes entrés dans leur psyché, nous avons habité leur imaginaire, et nous avons développé les uns avec les autres une espèce de rapport, non pas à sens unique, mais un rapport foisonnant d'échanges, à la fois linguistiques, à la fois culturels, à la fois symboliques, à la fois économiques, à la fois politiques. Un échange réel, permanent, qui nous a obligés les uns et les autres à revoir nos conceptions. Et de ce grand brassage-là, parfois par le sang également, par le métissage, eh bien, ça a créé une nouvelle race, comme le disait le poète Alfred Desrochers. Une nouvelle race. Je sais bien que ces mots-là, aujourd'hui, de race n'ont plus cours, mais s'il faut comprendre qu'on a pris une souche moyenâgeuse, normande et bretonne, et que nous l'avons transplantée dans un
sur une partie de l'Amérique du Nord. Et tout de suite, il y a eu des interactions qui ont façonné notre psyché avec les Iroquois, avec les Algonquins, avec les Algonquins. Et tout ça a donné lieu à une nouvelle espèce d'être humain. Alors, quand le français débarquant ici essaie d'expliquer par son propre biais ce que nous sommes, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'il n'a rien compris. Parce que nous pouvons également pratiquer une diplomatie à l'indienne, c'est-à-dire l'art de l'embuscade, les escarmouches. Nous ne pouvons pas avancer avec une rhétorique dialectique à la française. Il suffit de les écouter, les Français, les intellectuels français, nous parler pour qu'on se sente immédiatement largué. Mais par contre, nous, on peut se faufiler entre les raisonnements fallacieux, on peut leur tendre des pièges sémantiques dans lesquels ils vont s'engouffrer, et on peut les étourdir avec une virtuosité verbale dont ils ne nous croient pas capables. Parce que les grands conteurs canadiens-français, eh bien, c'est ce qu'explique Benoît Lacroix. Hein? Benoît Lacroix qui a 99 ans. Je viendrai sur Benoît Lacroix. Je vous reparlerai un jour de Benoît Lacroix qui fréquente ma librairie de temps en temps. Un personnage vert, un personnage tout à fait entouré. Il est entouré d'une cour d'admiratrices elles sont toutes amoureuses de lui. Et Benoît Lacroix est complètement dévoué au service des autres. Donc, jamais il ne manquera de quoi que ce soit. Benoît Lacroix, comme prêtre, était tout le monde. Hein? Benoît Lacroix appartient à tout le monde et tout le monde peut le prendre. Et en même temps, Benoît Lacroix, eh bien, je suis certain qu'en ce moment, il est hospitalisé, semble-t-il. Je suis certain que sa chambre est remplie de cartes, de chocolat, de livres. Je suis certain que Benoît Lacroix ne manque de rien. Alors, Benoît Lacroix nous expliquait ça, que nous provenions du Moyen-Âge. Et rapidement, il y a eu une synthèse, un syncrétisme qui s'est créé entre la tradition orale française et la tradition orale amérindienne. Nous avons créé des contes qui sont bien à nous et qui appartiennent également au répertoire traditionnel français et qui appartiennent également au répertoire non homologué amérindien, par exemple la chasse-galerie. Alors, nous sommes un peuple complexe, nous sommes un peuple mystérieux et qui ne regarde pas, qui ne voit pas en poète, en orant, par la parole pensante, qui nous sommes, eh bien, va échouer à ressentir toutes les subtilités de notre psyché. Car nous avons, pendant des siècles, côtoyé des peuples qui faisaient preuve également d'une grande finesse politique. Et nous aussi, nous avons fait preuve au cours de notre longue histoire ou courte histoire, fait preuve d'une grande subtilité diplomatique. Beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup. Et quant à nous, beaucoup de Québécois, regardons ce fantasme-là de l'Europe unie comme un fantasme par trop meurtrier. Et la majorité des Québécois se seraient opposés aux accords qui ont finalement été passés dans le dos des populations qui s'y opposaient d'ailleurs. Les peuples se font toujours trahir par leurs élites quand ils n'ont pas la chance d'avoir des élites qui ont le sens de l'honneur. Ce qui semble-t-il est plutôt rare par les temps qui courent, le sens de l'honneur. J'avais envie de vous lire un passage d'André Soares, parce que hier, je vous parlais de la noblesse, et par hasard, hier à ma librairie, on m'a vendu ce livre-là, et je l'ai parcouru, je suis tombé sur un passage. Tenez, je vais conclure là-dessus. On va faire de la lumière, voilà. Et la lumière fut de retour dans l'atmosphère lugubre. Les vrais aristocrates ne se vantent pas de l'être, ils le sont. Et on le sent. Fût-ce sans élégance, on peut se donner des titres.
ou ne jamais les oublier si on en a, voire si l'on en achète. Mais un prince est prince et sans titre plus encore. Les plus aristocrates de nature et même de naissance ne laissent pas d'être souvent démocrates en politique. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves en toute occasion. Il n'y a que les parvenus pour faire une carrière ou se faire un mérite de haïr la démocratie. Du reste, ils n'osent pas trop dire qu'ils méprisent le gros peuple. Plusieurs affectent même de l'aimer, en quoi ils se croient très habiles, mais le peuple refuse d'y croire. Le peuple est femme, en son instinct, on ne le trompe pas là-dessus. Les faux aristocrates sont les nouveaux riches dans l'ordre de la puissance et souvent de l'esprit, qu'il s'agisse de politique, de goût ou d'élégance. Les dictateurs sortis de la plèbe sont les plus dangereux. Ils singent les princes avec une âme de primaire. Pour eux, il est bien vrai de dire primaire, primate. Prenez plutôt un roi. Il a presque tous les avantages du dictateur et pas une de ses lèpres. Je mets l'exception du génie, qui est parfois la plus funeste de toutes. Le génie n'est pas une méthode ni un principe, à peine un expédient désespéré et qui ne vaut que pour un seul. Voilà. Voilà. Alors, cette noblesse-là, qui est la nôtre, eh bien, elle est exigeante et il nous tarde et il nous coûte d'être des gens d'honneur. Et c'est très difficile et c'est un exercice quotidien, mais nécessaire à notre bien et au bien des autres. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention aux autres. Vous connaissez la suite? Ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, ma chaîne YouTube, cette chaîne qui délivre, ma page Facebook, je ne sais pas si je vous recommande d'être un ami, je suis très, très, très envahissant, et mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Allez en paix. Allez en paix. Et rappelez-vous combien l'aventure du peuple québécois est singulière. Singulière. J'aurais aimé vous trouver un passage de la correspondance de Julien Bigra et de Jacques Ferron, où ils expliquent tous les deux qu'avoir une seule goutte de sang indien peut transformer toute une vie. Mais au Québec, nous sommes tous des Indiens, soit par la langue, soit par l'esprit, soit par le territoire, soit par le sang, soit par l'imaginaire. Et c'est précisément cet imaginaire-là que tant d'Européens n'arrivent pas à saisir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.